Salut les loulous, c'est le Chapelier Loup. On va attaquer un vieux FPS. Donc j'avais la boîte et je l'ai paumée. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Je voulais vous montrer la boîte du jeu. Hop. Ouais, en DVD, c'est collector. Donc Raid Océan. Un jeu sorti il y a en 2007 qui était pour Windows 2000 XP Vista. Voilà, un jeu incroyable qui a fait un flop qu'on va tester aujourd'hui et on va tricher parce que on va le faire pour l'histoire. Le jeu est évidemment graphisme au maximum avec un certain nombre d'améliorations via Nvidia. Je vous laisse profiter de l'intro. Ok, Jack, vous pouvez plonger avec moi. Et quand nous serons au sous-marin, vous me laisserez seul, d'accord? C'est mon bateau et mon équipement, vous faites ce que je dis. La plongée en pleine mer n'est pas une promenade au parc. Vous m'avez engagé, alors habituez-vous à ce que je vous colle au cul. Si j'ai les bons cordages, voilà, le sous-marin. Restez ici à la proue pendant que je vais vérifier la poupe. Je serai de retour dans 10 minutes. Putain! Hammerson! Putain! Hammerson! Jack, Hammerson! Jack! Vous devez... lui dire... Qu'est-ce que c'est? Ce doublage de qualité... Là, vous avez eu un petit extrait, vous allez voir. C'est que du bonheur. Ou pas. Le volume du jeu est Hammerson, entrez, immonde. Putain. Alors j'ai mis un truc censé être invincible. Donc là ça fait un peu office de Jack, tuto. Vous ne me connaissez pas et qui je suis n'a aucune importance pour l'instant. Hammerson est un agent passé. Admirez la physique. Et maintenant, je suis vous pour m'aider. CIA ? Agent ? Vous savez quoi ? Je récupère Hammerson et on se casse ici. Je pense que vous êtes un peu trop complaisant. Des conneries. Attention à toutes les unités. Pas de réponse de l'équipe de recherche 5. Alerte à toutes les sections. Allez. Putain, mon bateau ! Comment vais-je sortir d'ici sans lui ? Il semble que nous devrions nous faire mutuellement confiance. Je vous expliquerai ça plus tard. Il y a des requins. Nous devons d'abord trouver un son. Faut pas qu'elle soit qualitative, faut pas déconner. Oh. Écoutez, je crois qu'Hammerson a eu des jours meilleurs. Qui est-ce? Prenez ce pistolet, nous sommes en grand danger. Alerte! Attention au personnel de sécurité. Sujet non identifié à la station B1. Nous sommes en danger? Merde! C'était moi qui l'a voulu tuer. Du calme, Jack. Si vous faites ce que je dis, je vous sortirai d'ici. Il a pas dit vivant ou mort. Les contrôles sont très... Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Porte décellée. Brillez-le, Jack. Ces gars sont des tueurs sans scrupules. Vous devrez tirer pour sortir d'ici vivant. Je vous recontacterai plus tard. Stop! Quel chemin dois-je prendre? Génial! Alors un truc... on va essayer quand même d'avancer plus dans ce jeu-là. Après les récents échecs de... on let's play sur Garage. Sur le Garage Bad Trip sur lequel je suis resté coincé en fait. Il y a un moment où t'as de l'infiltration, et vu que moi l'infiltration, moi et l'infiltration, ça fait pas deux, ça fait trois.
Je suis resté bloqué. Donc je verrai ce que je peux faire au montage pour essayer de regrouper ce qu'on a fait. Il me fonce à travers, quoi. C'est pas bien dans ta tête. Admirez quand même la qualité sonore, hein. Andouille. Andouille. Couvrez-moi. Oh, couvrez-moi. Toi. Il y a des effets de physique hein, quand même. Hein. Ça casse tellement tout, ces voix, c'est incroyable. Ah, il a dit un gros mot. Tu sens les auteurs qui avaient plus d'idées. On va mettre Andouille parce que j'ai plus d'idées de gros mots. Donc comme je vous ai dit, je suis en invincible. Hein. C'est surtout pour vous faire découvrir ce jeu auquel je n'avais jamais joué avant. Que j'ai en stock depuis longtemps. Ou j'y ai peut-être joué mais je m'en souviens plus. Ouais, ma mémoire de poisson rouge. J'aime bien quand on fait des petits jeux soit indépendants, soit complètement inconnus ou autres. En fait. Regardez là-bas. Descendez-le. Oh là là, cet effet d'explosion, hein. Ok, alors maintenant faut aller où ? Là-bas. Je sauvegarde. Plus on a des checkpoints, des sauvegardes auto. Il va nous refaire passer un train, non? Oh purée! Eh, j'étais pas prêt, moi. Alors, j'ai triché pour la santé, mais pas pour l'oxygène. D'accord, j'ai un genre de harpon. Dans le tunnel d'accès C16. Fermeture d'urgence du système de transport initié. C'est sombre. Hein. Oula. Tu vois, c'est que je peux augmenter un peu les gammas. Gamma. Ça va, c'est pas trop. Comme la porte. Et si je voulais aller là, moi? Non, y a rien. D'accord, y a rien. Bon. Ah ben. Oh là là, ce bruit saturé. Je sens le truc audio d'il y a un moment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de d'affichage ou je ne sais pas quoi, de son.
N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous adorez les voix de ce jeu, histoire que... Que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes décors, c'est bien. Oh là, maintenant ils ont des grenades. Ok, viens avec son tonneau explosif, quoi. Vas-y, tire sur mon tonneau que j'explose. Complètement teubé. Stop. Yes. Non mais je sais pas, franchement, le budget qu'il y a pour les sons dans ce jeu, parce que ça va pas être bien élevé, hein, j'espère. Hein. Des mecs comme ça, faut pas les payer trop cher. Hein. Toujours compliqué dans les jeux, ce genre Jack, de son, mais bon. J'aime votre façon de traiter les problèmes. Vous êtes actuellement dans un aérateur volcanique. Tout le site a été construit par la Fédération russe pendant la guerre froide pour rechercher des vents de plasma thermique émanant du centre de la Terre. Des vents de plasma. Ok. Vous feriez mieux de me dire ça qui sont ces mecs. Ça n'a pas d'importance pour le moment. Il est plus important pour vous d'atteindre le port sous-marin du site. Il y a un système d'entretien juste en face de vous. Suivez-le jusqu'au port. Niveau 2. Attention à tout le personnel, il est interdit de fumer dans toutes les installations. Dégage ! Ne touche pas, tu ne peux pas t'arrêter. Avec les unités, trouvez-le. Faites sauter cette porte ! C'était Corvette, numéro 1. Il est ici en personne pour surveiller les dernières étapes et tyranniser ses employés. Il est complètement cinglé. Mais le vilain, l'insanité sont proches. Retrouvez-moi! Okay. Là, il faut deux tirs dans la tête, hein, certain. Dans la tête solide. Hein. Ah, si. Merci de m'indiquer le chemin. Ah, j'ai d'autres armes. Notons la gueule des bras quand même. Là, j'ai quand même... Si tu tiens une arme comme ça et que tu ne te tords pas le poignet droit... Je me dis, c'est bizarre. On est encore au pistolet. Mais pas changé d'arme. Vous êtes maintenant dans le système de transport du site. Si vous suivez les conteneurs, ce doubleur-là, vous mèneront directement à la zone de fret du port sous-marin. Attention au personnel de la doubleur, ça n'existe pas. Situation à la soupe instable. Confirmez immédiatement le stade. Ce sont des comédiens en doublage. Ça me plairait tellement de faire du doublage. Mais bon, vous avez vu ma voix, hein? Bon, faut faire des cours de théâtre. Non pas que ça me plairait pas, mais c'est pas dans mes priorités. Et je suis tombé. Comment mourir? Tu l'as vu la mort nulle là?
Moi, je peux le faire. Une munition. Attention, personnel. J'ai une lame identifiée localisée. Veuillez confirmer. Oula. Toi. Attention à tout le personnel. Attention, tout le personnel. Hey, ok, à l'air. Quoi? Eux, ils peuvent passer les champs de force, c'est pas moi. Pour les caïds, et après, dès qu'ils sont en emploi, là, ils chialent. Ouais, des Français, quoi. Pénible avec leur grenade base. Pour le moment, c'est assez linéaire. Hein. Ils doivent rétablir la sécurité dans la station. Or, ils sont en train de tout péter. Attends qu'on m'explique l'intérêt de faire péter le mur, là. Attends. Les mecs font péter un mur, ils avaient juste à contourner. Quoi. Va te faire foutre. T'as un ennemi en face de toi que tu connais pas, mais tu le mitrailles, hein, tu dois le tuer, tu lui dis va te faire foutre. Ah, je vous préviens, je vais critiquer les voix et tout le jeu pendant tout le jeu. Ne bouge pas. Je bouge si je veux déjà. Quand je zoome. J'ai plein de munitions pour le fusil d'assaut comme ça après. Ouais mais là je peux pas. Il faut sauter par-dessus le truc, non? De l'autre côté on a un escalier. Ouais. Et on tourne pas en boucle? Et j'essaie de faire ça, non ça marche pas. C'est un nouveau chemin, c'est bien pareil qu'il fallait aller. Qu'est-ce qu'il fait? Roger, que fais-tu? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? N'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Sans les efforts sur la physique, hein, c'était la période où ils voulaient en foutre dans tous les jeux. Bonne ou mauvaise, mais. Il y en avait, puis c'est canon. Mais bon, fallait laisser la physique à Half-Life 2, quoi. Plutôt que de vouloir faire des trucs comme ça. Oula! United Arms! Les bras unis. Allez. En français, ça sonne moins. Papa. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pistolet? Grenade! Le mec a plusieurs voix aussi.
vais rester en bas ou je peux monter? Non. Le sous-titre avec le rire. Merci pour ce sous-titre. Ça permet de m'informer que le méchant rigole. C'est un peu mou ce boss, non? Au moins, il nous donne des munitions, hein. Revolver! Vas-y, dit j'ai deux pistolets. Il y a le gun classique et il y a le revolver. C'est pompé sur un jeu que j'ai mentionné juste avant, dis donc. Il est où, René? Ah, une balle de revolver. Il est où? Arrêtez-le! Couvrez-moi! Oh là là, c'est quoi ce personnage-là? C'est vous? C'est trop gentil. Donc l'autre a laissé tomber son arme et je la récupère direct, quoi. Oh là là, ce bruitage de qualité, une fois de plus. Incroyable. Moi, ce jeu, je suis épaté. Ça serait un jeu indé, on dirait, mais il est vachement bien et tout, voilà. J'étais pas eu sur itch.io, quoi. Niveau 3, je sais pas combien il y a de niveaux, on verra. Ok, Jack. Corbin a alors détourné United Arms. Vous approchez de la cantine. Vous devez la traverser. Attention au personnel de sécurité. Activité non autorisée rapportée de sa tête dans le Je répète, je suis invincible parce que je peux ouvrir la porte qui est derrière le truc laser. Pas de commentaire. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Oui, je l'avais testé et il est assez dur quand même. Combat.
combat démarre. L'équipe Gecko ne Je vois la tête de l'acteur américain justement qui a cette voix française là, mais alors le nom où ça va, dans quoi il a joué. Si dans Ozark. Dans Ozark, il y a un genre de conseiller en politique qui vont voir. Et il a cette voix française là. La voix du mec qui nous guide. Ça m'étonnerait qu'on ait des twists façon BioShock. Hein. Ils ont saigné toute la section. La seule sortie est un ancien sas-terre dans la section du survivant du centre du jeu. C'est une zone de sécurité. Et Jack, êtes-vous discret? Ouais, lol. Oh, j'ai un fusil à pompe. Eh ben par là, c'est par étoilé, là, ça a l'air sympa. À tout le personnel du centrifugeur, l'utilisation d'armes à feu peut provoquer des dommages au diamètre magnétique. Tu sens à peine la zone qui peut déclencher les bugs. D'accord, faut aller dans la petite porte en haut. De pomme, mais ça va être parti là-bas. Là, on a une échelle. En fait, il avait la tête limite qui touchait le bordel et ça faisait rien. Pas sûr qu'ils se tirent pas dessus les uns les autres en fait, que les y a pas ils aient pas le tir ami en fait. Dedans. Ok, vous l'avez fait, mais vous n'avez pas compris le sens du conseil. Faites-vous discret. Maintenant, sortez de la peur. Niveau 4. On avance bien, en tout cas. Quel est le problème maintenant? Pas encore! J'ai enregistré un séisme sous-marin. Corben a dû amorcer le réacteur. L'imbécile. Jack, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Du temps pour quoi? Quel réacteur? Montrez-moi le chemin vers ce putain de port. Ok, Jack, ok. Vous approchez des anciens laboratoires. Si vous réussissez à les traverser, vous atteindrez le port. C'est encourageant. Au rapport RAS.
là-bas. Vous avez compris un truc, moi j'ai rien compris. Pas trop à se prendre la tête, j'ai l'impression, ce jeu. Il a été écrasé. Il n'y a pas trop à chercher les secrets, je sais pas. Ah! On est coincé là. Ça a pas grand chose, ça. De gaz. Ah non, fallait juste sauter là. Je sais pas ce qu'il fait de bruit. Secret trouvé. C'est la porte. Ça crève le bordel qu'elle fait, cette attention porte. Attention à tout le personnel de la station. Voilà, un nouveau là, avec une cape rouge. Ok, nouvelle arme. J'ai le piste rouge. On va garder les deux armes énergétiques quand même pour les boss. Parce que là c'était un peu long parce que j'y allais au pistolet. Oh, c'est pénible leur truc là. G pour grenade. Le constat. L'équipe A 42 24 75 22. Ils sont pas bien dans leur tête. Des cabinets aussi. Mais oui, ils veulent me faire sauter, ça va pas la tête. Ah bah là, t'es plus que touché, mon gars.
Mourez. Là, c'est pété. Laisse-moi prendre l'échelle, voilà. Le mec monte les échelles quand même, notez bien, sans les mains. Ça, c'est assez impressionnant. Je vous mets au défi. Hein. Une échelle bien droite de la monter sans les mains. Le mec est cinglé. Pas où faut aller. Il nous a montré, mais j'ai pas fait attention. Là, on a moyen de descendre. Alors, une porte fermée. Là, on a un bruit de gaz. Et rien d'autre. Donc, il faut descendre. Calme. Parce que le laboratoire d'expérience, il n'y avait pas grand chose d'horrible ou de laboratoire, je sais pas. La sensibilité, elle est dégueulasse quand on est sous l'eau. Déjà pas que quand on est sous l'eau, mais alors sous l'eau. Ouais. Bah là, je voudrais bien une petite aide pour savoir où aller, mec. Là, t'as une échelle, tu peux pas la mettre, en fait? Non. Tu veux pas? Il m'a dit non, va te faire voir. Bah là, s'approcher de ça. Oh là! Le boss. Ah, j'ai dit arme énergétique. On ne s'entend plus. On va essayer de remonter sur les mécanismes d'énergie. Non, on peut pas monter. Non. Même en dessous, y a rien. Non, non. Par où on remonte? Il y avait un genre de passerelle tout à l'heure pour remonter. À mon avis, il va falloir remonter. Dispositif d'énergie. Ouais, je vais même pas monter ça. Non, il n'y a plus moyen de remonter. Hein.
Ah, c'est ça. J'ai compris. Toujours su. Donc, quel est le plan B? Jack, je crois qu'il faut poursuivre le héros maintenant. Les seuls sous-marins de secours sont dans l'usine à plasma au cœur du site. Ok, Preston, tu as gagné. Où est cette usine? Il y a un accès direct à partir du port pour l'aérateur volcanique. De là, vous devrez traverser la section de minage au cœur même du site. Ils ont tous un charisme de mollusque. Jack, la roche plasmatique bloque les communications. Plasmatique. Il devrait continuer sans moi. Je suis désolé, mais je suis pas du tout. Une autre explication pourquoi je triche, c'est que je suis pas sûr que refaire la même scène avec ce doublage incroyable en boucle, ça soit bon pour ce soit vous ou ma propre santé mentale. Au mieux qu'on le fasse qu'une fois. D'accord, on a ouvert le côté. Ils ont ouvert le côté gauche. La scène aurait été drôle s'il y avait eu 15 000 ascenseurs à la suite qui nous rejoignaient en fait. Pour faire durer le coup. Mais non. Attention, c'est sérieux. Mettez ça sur ma facture, Corbin. Alerte rouge pour toutes les zones. Toi. Mais qu'il a encore envie.
l'espace entre les barres. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si il y a d'autres jeux que vous voulez qu'on fasse. Que ce soit du petit, du gros jeu, du plus récent ou du plus vieux. On verra ce qu'on peut faire. Il y a un laser. Paf, vraiment, allez là. Oh là là, la musique change. Ta-da-da. On va sauver le monde. Oui, on sait pas trop de quoi, mais c'est pas grave. C'est les méchants. Maintenant, je suis impatient. Tu te rends debout et je te garantis une mort rapide et sans douleur. Je pense que... Oh là, non. On passe donc, c'est bien par là. Il faut qu'il y ait un petit secret, je regarde. Et où est-il? Putain! Cette tête. Elle n'est pas tombée. Couvrez-moi! Oula! Mec, il est tout seul, couvrez-moi. Tu sais, c'est choisir un son au hasard en fait, là, le goût. Alerte! 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 Qui sont les snorkies? Les super gentils! Vous sautez, non? Crève la rogne! Les uns après les autres. Voilà. Pas chercher trop compliqué. Je vais juste mettre un tout petit truc. Oh là là, ils m'ont eu. Ce jeu est une blague. Voilà qu'on essaie aussi de se faire peut-être les crises, mais bon, ça tournait mal sur mes anciens PC, ça tournait très très mal. Ouais, ça me fait, une dope pareille me fait penser à Crisis. J'ai beaucoup d'estime pour Crisis. Je trouvais jamais où fallait aller. Ça ramait. Rayon G n'était pas encore au point, comme il l'est aujourd'hui. Ils s'entretuent.
avant d'y aller. Secret trouvé. Grenade! Un commentaire? Non, bah voilà. Oh, mais où est-il? Il doit être quelque part. Oh, il était là. Zut alors. Tout est calme. Tout est calme pour le moment. Quoi? Je suis désolé, ça a bugué. Ah, je suis tombé. C'est bon, on n'est pas bloqué. Parce qu'un jeu aussi, voilà, je m'attends à être bloqué dans le décor à tout moment. Ça sent un peu le boss, non? Le jeu, il est gentil avec nous. Jack. Jack, vous m'entendez? Jack, Corbin prépare quelque chose. Se passe quelque chose dans l'aérateur de Kedon. Bonne nouvelle, mon petit déchet. Il faut que j'attende là pendant deux plombes, non? C'est ça? Ah voilà. C'était ça. On peut avancer petit train, non? Je crois que c'est pas par là. Pas de lumière, pas d'ennemis, c'est pas par là. Un coup elle souffre, un coup elle souffre pas, c'est... Qu'est-ce qui est chaud, dangereux et en quoi la vermine de l'enfer? Moi, un malabar. Un malabar sur le string de... Youhou! Ah purée, c'est encore le même... Et tous les boss sont sur ce principe-là. C'est plus du manque de budget, c'est du manque d'idées là. Oh oh oh. Ah, des munitions. Que se passe-t-il? Vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe? Ascenseur à là-bas. On va recharger un peu tout.
Là, tu sens qu'ils ont essayé de faire un joli truc. J'ai tout pété. Niveau 6. Corven a considérablement augmenté ses troupes dans cette zone. Je sais que... Bah, normal, c'est le niveau 6, c'est que le niveau 1. Je vous conseillerais de garder profil bas. Amenez-moi juste jusqu'à Corven et ne vous occupez pas du reste. Maintenant, certains des mauvais gars de la troupe d'élite en renfort. C'est discret, ça, non? Le système de transport mène à la salle de contrôle de l'usine. Allez faire un tour du côté des contrôles. Attention, avis de sécurité important. L'utilisation non autorisée du système de... J'ai cru que j'étais dans le vide. Yata! C'est les armes à énergie finalement parce que bah, de toute façon je fais plein de munitions. Toujours présent. Je demande une résolution immédiate de cette perturbation anodine. Les petits problèmes causent toujours les plus grands chagrins. Caramel. Il est mou, il est caramel mou. Pas trop où j'y vais, mais j'y vais là. C'est peut-être une bonne idée. Force rouge contre force bleue. La force bleue vaincra. Attention, force bleue contre force bleue. Descendez-le. La force bleue a-t-elle gagné ou perdu? Envoie Pollux au 6-12-12. Hein? Mais ça n'a aucun sens. Enfin. Bon, c'est pourquoi le jeu s'est fait déglinguer. Hein. Répétitif, aucun charisme, le doublage est catastrophique. Niveau originalité, on repassera.
ne sais pas si je suis invincible ou pas. Il va falloir tester. On va aller là-bas. Si je fais ça. Pas de ninja. La porte menant à l'usine est verrouillée. Vous pouvez la déverrouiller à partir de la salle de contrôle. Oui? Est-ce que je le veux? Bon, je crois que je suis invincible. Le truc, il est extraterrestre, quoi. Donc, je suis un bonhomme bleu. Mais d'accord, c'est moi, ça, non? Ah non, c'est pas moi, c'est une plateforme qui est arrivée de l'autre côté, d'accord. C'est un truc comme ça. Voilà, là-bas. Ça m'étonnait, je me dis, je suis pas un bonhomme bleu, mais... Enfin, je trouve. Cette arme, elle est rigolote, quand même. Alerte! Alerte, pas alerte. Mon Dieu, c'est sans con. D'accord, la plateforme qui est arrivée, elle est arrivée là-bas. Ok. Et rentre chez ta mère. Ils vont nous faire croire que c'est les Russes qui ont construit ça. Il y avait peut-être autre chose à faire que construire des trucs aussi tordus, quoi. Bah déjà tes hommes j'ai touché mais après. On tourne en rond un peu là, non? Ah non, on est passé au milieu. Pardon? Ne touchez à rien. Alors j'ai ouvert une porte. Attention à tout le personnel du site. Protégez vos yeux à tout moment. Regardez en aucun cas. Ah voilà. Voilà. Pas trop dur à retrouver où. Ouverture de porte. Fermeture de porte. Ouverture de porte. Ouverture d'ascenseur. Jack, vous êtes maintenant dans la section la plus basse de l'usine. Votre cible est le réacteur de plasma situé au plus haut niveau. C'est quoi ce bordel? Impressionnant, n'est-ce pas? Avant que les Russes n'abandonnent la station, ils étaient presque arrivés à rendre le plasma utilisable comme une arme. Corven n'avait plus qu'à activer le compactage du plasma. Arrête, regardez, attention là-bas. Personnel de sécurité. Il n'avait plus qu'à.
Pourquoi il n'arrête plus là? Il est encore là, le grand méchant. On l'a pas encore empêché de... tout détruire, non? Pas compris. Pas compris l'histoire, s'il vous plaît. C'est sûr, c'est jusqu'à nouvel an, mais qu'est-ce qu'il y a? Il doit être quelque part, mais où est-il? C'est à peine mauvais pour les yeux comme séquence. On avance, enfin on a l'impression de tourner en rond quand même. Bah, si vous voulez regarder des vidéos avec de meilleurs jeux ou des jeux aussi nuls, parce qu'on a un peu les deux, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, envoyez vos amis ici si ça vous plaît. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à tester de nouveaux jeux. Des vieux. L'ascenseur m'attendait. Ah. Et il va aller plus vite hein, que le mien, justement. Non. La vitesse, c'est le temps que la porte ouvre. Ah. C'est bien foutu. À la même vitesse, mais ils ont eu une opportunité d'arrêter aussi. Au rapport. Il y a eu un cri quand j'ai fait péter les tonneaux, je sais pas pourquoi, parce que c'est l'école d'ennemis. Il y avait un ennemi déguisé en tonneau, peut-être. On m'a dit que je pouvais être ce que je voulais, alors je suis un tonneau. C'est original. Le bouclier sera mis hors service et le noyau surchauffera. Une dernière chose, Jack. Bonne chance. Okay. Alors, terminons-en ici. On va rire un peu quand même. Cette plongée aurait dû être une simple excursion touristique pour Jack Hard. Avec un nom comme ça, mec, c'est du porno qu'il aurait dû faire. Au lieu de quoi, il se retrouve mêlé à une conspiration à l'échelle mondial, United Arms, une terrible organisation terroriste, a découvert une nouvelle source d'énergie dans les fonds marins. Cette découverte devrait changer à jamais la surface de la Terre. Et pas en bien. Les bisounours. Les terroristes sont en effet bien décidés à l'exploiter pour construire une redoutable arme de destruction massive, plongée au cœur de fusillades époustouflantes dans des trois couloirs, des stations de triage souterraines et des laboratoires clandestins. Le sort de l'humanité est entre vos mains. Et n'oubliez pas,
au fin fond de l'océan, sous des millions de mètres cubes d'eau, chaque bouffée d'air, chaque bouffée d'oxygène pourrait bien être votre dernière. Caractéristique. De l'action continue et freinée aussi bien sous la surface de l'eau qu'en dehors. Bon, il y a pas mal d'ennemis, on peut rien dire. Un arsenal vaste et varié. Un moteur graphique à la pointe de la modernité. Une réalisation digne d'un vrai film d'action. Un rendu exceptionnel de l'eau. Pardon. Et de tous les effets aquatiques. Voilà le ce à quoi on joue. Hein. Trop tard, Jack, trop tard. Tu t'en rends compte? Je l'appelle Soleil Froid. Les United Arms vont donner au monde une arme qu'il n'a jamais vue. Assieds-toi et admire le spectacle. Oh là là, c'est original et passionnant, dis donc. Ah! Et ben le jeu vient de planter. En plus, ils vont nous le montrer là, regardez. Incroyable. Je suis un miro plus plus. Une série d'interrupteurs, il faut appuyer là. J'ai regardé qu'un petit bout sur les machins, ça a fait apparaître ça. Alors c'est un jeu qui prend un peu moins d'une heure et demie pour le finir, hein. Cinématique comprise. Oh là là. Jack, vous devez immédiatement trouver un sous-marin de secours. Dépêchez-vous. Attention, désintégration complexe du blindage. Surcharge. T'as l'impression qu'ils ont pas eu le temps de finir ou un truc, je sais pas. Attention, fissure de la structure détectée. Abandonnez les installations. Ils ont eu une ambition, mais alors un truc incroyable, et au final, ils ont pas su en faire un dixième. Preston, vous me devez un bateau. C'est tout ce que tu vas dire. Comment dire ? Il n'y a pas grand monde, hein. Alors tranche au Cassel, là, c'est pas la peine. Hein. Ouais, il n'y a pas grand monde qui a bossé sur le jeu. Heureusement que c'était une petite équipe, ça justifie un petit peu le massacre. Il y avait les bonnes idées, hein, mais non. Juste non.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi que c'était une daube.